Ainsi s'ouvre la semaine Cataillée au collège du même nom à Cayenne. Une semaine qu'élèves et professeurs de la 5e Maripa préparent depuis plusieurs mois. L'objectif, faire découvrir ou mieux connaître à toutes les classes du collège la vie et l'histoire de cet homme politique guyanais qui a marqué son pays. On avait fait la semaine Cataillée pour que les élèves apprennent sur Cataillée ce qu'ils ne savaient pas. Tout comme nous, on ne savait rien avant, on ne savait même pas ce qui était Cataillée. Je sais que Cataillée est décédé dans un crash d'avion. Je sais que M. Cataillée a été professeur de mathématiques. Il s'est marié avec une Martiniquaise et il vient d'une famille de 15 enfants. Do not give up, work hard, okay, let's go. Justin Cataillée sur divers supports et en plusieurs langues, celles parlées par les jeunes créateurs de la classe patrimoine du collège. Les professeurs Christine Assar et Henri Danglade, porteurs du projet, ont conduit la réalisation de l'exposition, d'un film et d'un jeu. La classe patrimoine, créée cette année, vise à l'intégration des élèves. Le fait que les enfants viennent de différentes cultures, nous les mettons en avant. Nous voulons absolument valoriser leur culture. Ils viennent de différents pays, ils viennent bien entendu de la Guyane, ils sont pour la majorité nés en Guyane, mais avec, pour la grande majorité aussi, avec des parents qui sont d'origine étrangère. Donc nous faisons en sorte qu'ils puissent apporter la culture dans laquelle ils sont tous les jours et nous faisons un mariage de toutes ces cultures. C'est vraiment le but de cette classe patrimoine. Cette semaine et son lot de créations, une initiative qui devrait également plaire aux membres de la famille de Justin Cataillée, invités mercredi au collège, où d'ici peu, tout le monde en saura plus sur celui qui veille sur sa communauté. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.